Il existe un endroit beaucoup trop dangereux. Un endroit d'où vous ne saurez revenir. Un endroit obscur. Les commentaires YouTube, le plaisir, oui. Bien le bonsoir. Ah, faut que j'arrête de taper dans les vidéos. Je sais pas quoi faire de mes mains. Bien le bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me sacrifie. Je le fais pour vous. Pour la première fois au monde, un YouTuber va aller dans la section commentaires. Alors vous savez, les commentaires délicats, c'est un combat de tous les jours en tant que YouTuber. Hein. J'ai d'ailleurs une armée de modérateurs. Dédicace, hein, bisous. C'est une bataille de tous les jours. Tous les jours, on se bat, moi et mon armée de modérateurs. Nous supprimons les commentaires en masse. Nous faisons tout notre possible pour que ce soit agréable. Soyez forts, modérateurs. Soyez forts. Qui sont là pour faire en sorte que les commentaires soient agréables. Parce que vous savez, les commentaires, il y a des mecs schizophrènes, il y a des gars qui pètent un plomb, il y a des gars qui font de la pub, il y en a qui marquent juste des mots bizarres. Ouais, c'est un florilège de what the fuck. C'est très dangereux pour la santé mentale, attention. Mais aujourd'hui, on va voir le top du top. Alors un gros merci aux modérateurs Alexis, Johan, qui nous ont fait pour nous une sélection incroyable. Comme ça, je vais pouvoir les découvrir en direct avec vous. Ça, c'est sympa, ça, c'est cool. Les pires commentaires, c'est tout de suite. Marine Le Pen, votez Mélenchon. Hop, 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 hop. On va pas commencer à parler politique sur la chaîne. Coupez, coupez. Connard, je suis là depuis tes 60K et pour ma fidélité, me donner ton Acer V12 et je connais même ton adresse, rep en MP YouTube. Eh bien, Derco Enduro, merci de m'avoir suivi depuis mes 60 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour te remercier, je vais te faire une dédicace. Qu'est-ce que ça veut dire, Derco Enduro? Tu sais ce que ça veut dire. Toi, Derco Enduro, ici, je vais faire un point. Voilà. J'espère que ça te fera plaisir hein, parce que ça m'a demandé un grand effort. Les gars qui me suivent depuis longtemps, je me fous pas de leur gueule. Qu'est-ce que vous m'avez fait les modos là? À quand le dessin animé? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce commentaire? Quoi ce bordel? Lol, je crois bien que ça vient bizarre les jeux que t'es fait là français. Au début c'était cool avec Just Cause 3 puis GTA 5, mais là c'était n'importe quoi. Un jeu pour se croiser c'était même pas drôle. J'ai même pas regardé au contenu sérieux, referons des vidéos. Il vient de la campagne, là c'est sûr. Tu passes combien de temps au montage s'il te plaît? Parce que toi tu travailles très bien tes vidéos. Il y a d'autres youtubeurs qui préfèrent la quantité que la qualité, mais toi tu as les deux donc t'es parfait. Tu vois, ça fait plaisir. Parce que tu passes du temps comme ça au montage et tout, à bosser. Il y a des gens comme lui qui le voient. Regardez par exemple, je vais faire passer un avion. Là maintenant comme ça, je le fais passer, regardez. Et voilà, toi ça demande du travail, hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. J'aimerais un YouTube où tous les gens se rendent compte de l'effort fourni, de l'investissement, mais aussi et surtout de la volonté. Une volonté de créer et de partager des contenus qualitatifs. Je vous promets que l'espace commentaire sera mieux grâce à des gens comme Laser AMV. Et c'est vrai que j'essaye toujours de privilégier la qualité à la quantité, même si je reste plus ou moins un youtubeur gaming. Et un youtubeur gaming, c'est au moins une vidéo par jour, on va dire en moyenne maintenant. Il y en a même qui tournent à 3 vidéos par jour, 4 vidéos par jour. Moi, je suis plus à 3 vidéos, 4 vidéos par semaine, qui est très peu dans l'ensemble, dans mon milieu, hein, entre guillemets. Mais au moins, les vidéos, elle pète sa mère. Ma mère est arrivée au moment où tu dis écarter les cuisses. MDR, je me suis fait défoncer. Bah, y'a pas de quoi, tu me dis si je peux te rendre service, tu me dis, hein. S'il y a vos parents à côté, faites attention. Voilà, je pense qu'il y en a au moins 2-3 d'entre vous qui se sont fait griller. Y'a pas de quoi. Ours blanc, super connard, moi je suis un pirateur, mais je vais pas te hacker, s'il te plaît, dis à personne que je suis un pirateur. Merci. Je vais être trop le mec sur son PC. Je vais dévoiler mon secret à super connard. Personne ne le verra. Détente TV. Là, ça part sur un bail très mauvais. J'ai soif. J'ai soif. Putain, tout est vide. Une bière. Mais elle est là depuis 2 jours. Je n'ai pas le choix. Mmh. Ah, tu ressens bien le goût du houblon. Mais ça désaltère. Go visualiser ma vidéo. Si vous rigolez pas, je vous offre 1 an de tacos. T'as vraiment cru que les gens ils allaient venir parce que tu promets 1 an de tacos? Merci à vous les frères d'avoir pris le temps de lire ce commentaire. On se retrouve sur ma vidéo. Vas-y, y'a pas de problème, détente TV. Tellement ta chaîne elle est pourrie, je la trouve pas. Ah, il est là, il a posté le commentaire. Il y a plus de 6 mois, il y a une vidéo. Les gens qui pourrissent les espaces commentaires, ils le font pour poster des dessins animés qui leur appartiennent même pas. Je suis scandalisé. Donc détente TV, morale de l'histoire, nique ta mère. Oh yes. Roman de Suika.
Merci monsieur Jean-Paul de votre commande chez vous à notre système de navigation et les accentuations de votre part de vos angles dans le monde et content de voir que tu as un petit message pour la semaine prochaine, que tu as un peu plus de nouvelles de l'actualité de Lyon et Marseille et gratuite, le efficace. Connectant depuis le temps de faire un tour sur le site de la semaine prochaine, le efficace. Connectant depuis le temps de faire un tour sur le site de la semaine prochaine, le efficace. Et je ne peux que me dire... Je suis en tournage. Qu'est-ce qu'a fumé cette personne, Jared? C'est quoi ce délire? Encore une enquête pour l'inspecteur. Excellent. Nous allons partir directement sur YouTube. Je crois que nous avons affaire à un schizophrène. Suika. Ouais. Ah merde, y'a trop de Suika là. Merde. Chier. Enquête, enquête, dans les commentaires. Moi je pense que ce mec est schizophrène. Soit c'est un bot, soit c'est un schizophrène. À vous de dire. Commentaire de Simi Messo. Cyril, je connais ton pote vivant Tonier. Il m'a dit qu'on fera une vidéo ensemble. Il me dira quand moi, mercredi 1 février, je voyage à Genève. Je reviens le dimanche 5 février, je pourrai jouer le vendredi 10. Waouh, attends, alors là, le mec il m'a sorti son agenda, alors je note. Disponible le 1er février. Ah bah non, il revient le 5 février. Il faudrait caler un tournage avec Simi le 5 février. Je pourrai jouer le vendredi 10 février avec vous, je regarderai avec Vivant Tonier et mes potes ou mon pote pourrait jouer avec nous, je demanderai à Vivant Tonier parce que tu verras jamais ce message, je crois. Si, si, mais tout d'abord, ton pote Vivant Tonier, c'est un gros mytho parce que je le connais pas. Donc déjà, tu t'es fait baiser. Mais pour te faire plaisir, si, si, Messo, oh, parce que je me fous pas de ta gueule. Tu vois ici, tu vois, eh ben regarde. Voilà, c'est une spéciale dédicace. J'aimerais que tu me touches un peu. Ah ouais, ça c'est la musique, hein. Senpai, j'aimerais que tu me touches un peu, que tu me tâtes. Oui, oui. Mathieu Monturé. Beaucoup de choses ont changé, mais pas le cadrage avec le micro en premier plan. Le micro il est là, le premier plan est là. L'éthique de langage, tu vois, tac tac, et j'en passe. La coupe de cheveux, la coupe de barbe. Moi du coup je dirais, c'était mieux avant. Le micro, c'est normal qu'il soit en face de moi, parce que si je le mets là-bas et que je parle comme ça, le son est de bonne qualité. Non, je peux le mettre là, hein, si tu veux. Le théorème de Ibra TV fait que le pourcentage de pouces bleus, le partage et l'abonnement x5 est égal au centième de Ibra degré. Johnny Chevalier, tu fais pas cette vidéo. Le commentaire du mal. Pas assez de vidéos, mon cul. 3-4 vidéos par semaine, monsieur. Est-ce que tu te rends compte, Johnny, qu'une vidéo, c'est 10 heures de travail? Au moins. Sans compter les miniatures, les recherches des jeux, les déplacements, les voyages, les vlogs. Donc le prochain qui me dit tu fais pas assez de vidéos, eh bien, moi je vous dis, vous avez qu'à mettre plus de pouces bleus, plus de likes. Comme ça, j'aurai plus de thunes. Écoute-moi, Johnny, on n'est pas sur la chaîne de la salle ici, d'accord? Moi, une vidéo, c'est 10 heures de travail. C'est pas 10 minutes, je fais une course what the fuck, hop, j'upload, hein. T'es vraiment mauvais. Eh ben, nique ta mère. Encore lui, je suis en train de faire un tour sur le site de la semaine prochaine, le efficace. Tes vidéos me redonnent le sourire même quand c'est impossible. Je t'adore, je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas t'aimer, mais tu fais quand même partie des rares youtubeurs à ne pas recevoir de critiques. Continue comme ça et ne change pas, tu es très bien comme ça. Merci beaucoup Raphaël. Tu n'es pas obligé d'écrire en caps lock. Lisez à voix haute. Je jure sur la vie de ma mère, je like ce commentaire. Ah merde. T'es énorme mec, il n'y a pas deux youtubeurs comme toi. Tu es très proche de tes abonnés et même si tu grossis... Je suis pas gros, regarde. Regarde ce corps. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. C'est moi ou la chaîne a radicalement changé depuis ces deux derniers ans? J'ai l'impression que le contenu est adapté pour tout type d'âge et que l'humour est plus light. Light. Qualité de vidéo dégueulasse, ça donne envie de vomir parfois. Alors voilà, toujours, voilà, des gens qui se plaignent. Alors quand on est trop pro, ça va pas. Et quand on est indépendant à l'ancienne, ça ne va pas non plus. Tu veux que je filme avec quoi? Une patate? Qualité vidéo dégueulasse, regarde la qualité. Tu as vu la qualité comme ça? Regarde. Mon sourcil, comme il est détaillé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde comme c'est fluide. Regarde la fluidité. Wow, wow, wow. Wow. Jean-Marie Le Pen. Moi, j'écrase tout le monde, n'est-ce pas? Je suis aux toilettes en regardant cette vidéo. Est-ce qu'on peut dire que je me chie dessus? Fais un drama life. Non. Est-ce que quelqu'un est capable de me déchiffrer ce commentaire, s'il vous plaît? Sika Black. Oh là. Bonjour, je m'appelle Prod Games, je fais des vidéos de type games. Ça fait un peu genre, hey, salut tout le monde! Moi aujourd'hui, je fais du games! Refais des vidéos avec les autres. C'est un ordre, tu vois, c'est refais une vidéo avec les autres. Sinon, je te pète la gueule! Je te pète la gueule, gros bâtard!
Super connard, comment tu fais pour avoir de l'argent de YouTube? Comment faire de l'argent sur YouTube? Première étape, trouvez-vous un espace d'enregistrement. Attention, cet espace n'a pas besoin d'être forcément très cher. Vous pouvez commencer tout simplement dans votre chambre. Munissez-vous d'un micro, d'une caméra, appuyez sur le bouton on, et voilà, ça y est, vous êtes riche. Si cette méthode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Je vous laisse ici, apprenti vidéaste, et faites un max de pognon. C'est terminé maintenant, on va nettoyer tout ça. Donc ça fait quelques mois que j'ai pas mal de modérateurs sur la chaîne qui m'aident à rendre cet espace agréable. Je le dis toujours, mais faites bien attention à ce que vous commentez. Je préfère qu'il n'y ait pas de commentaires plutôt qu'il y ait plein de commentaires mais qui veulent rien dire et que c'est du grand n'importe quoi. L'espace commentaire, c'est le seul endroit où vous et moi, on pourra communiquer, échanger, dire des trucs. Utilisons-le à bon escient, arrêtez de faire de la pub avec vos chaînes de merde. Si vous voulez réussir, donnez-vous à fond dans les vidéos et pas dans les commentaires. Perdez pas de temps à foutre des commentaires partout. La passion est là où elle n'est pas là. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et bien évidemment un commentaire. On se retrouve pour des prochaines vidéos. À bientôt. Le sexe, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Moi, je tiens à le dire.